Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ouais, ça faisait un petit bout de temps hein, sans vidéo. Euh, je me suis dit que j'allais vous faire euh, bah juste une, une, un, une petite vidéo pour parler de, de la structure des arcanes majeures du tarot, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont envie d'apprendre à utiliser le tarot et puis euh, bah, finalement euh, se prennent parfois un peu la tête, aller <laughs> faire euh, farfouiller dans des symbolismes des fois très profonds. Ah, voilà, qui sont qui peuvent être intéressants, mais peut-être plutôt en, en second plan. Et je me suis dit que j'allais faire euh, bah, simplement des petites capsules, des petites vidéos rapides pour euh, voilà, découvrir des choses incessables. Alors j'en ai déjà fait beaucoup sur, sur ma chaîne, évidemment, mais bon voilà, comme je sais qu'on... Je vois, je vois ressortir en tout cas les, les vieilles vidéos au fur et à mesure du temps. Où je vois des vidéos d'il y a 5 ans où on me dit Ah tiens c'est très intéressant. Oui, enfin bon, c'était il y a quand même 5 ans, donc on va <laughs> peut-être faire des trucs un peu nouveaux. Euh, du coup voilà, j'avais envie de vous proposer bah, des, des petites, petites vidéos simples hein, sur, sur la structure du tarot, sur le sens des cartes, comment on peut l'utiliser, des choses un peu fastoches. Et puis, euh, bah, du coup pour, pour ce, ce, cette première vidéo, je voulais parler simplement de euh, des deux chemins ce que j'appelle les deux chemins les deux chemins du tarot où on peut enfin des arcades majeurs en l'occurrence dans le tarot on peut diviser les cartes euh, en différents groupes euh, ça c'est tout ce qu'on appelle la structure hein. donc on va voir qu'il y a deux grandes parties la partie des majeurs la partie des mineurs la partie des mineurs peut être divisée en deux les numériques d'un côté et les figures de l'autre mais dans les majeurs elles-mêmes on peut retrouver une forme un peu de, de comment dire, d'ambivalence, de, de, de dualité. Et du coup, ben, on va regarder ça ensemble euh, et on va faire en, en quelque sorte degré par degré. Voilà. Donc, on va commencer par le premier degré qui évidemment est attaqué par, euh, par le battleur et avec évidemment hein, son, son équivalent euh, numérologique qui est la force puisque nous avons le chiffre 1 et nous avons le chiffre 11. Et en fait, je vais simplement vous montrer un petit peu comment, par exemple, d'un point de vue numérologique, on peut retrouver la même thématique mais exprimée de manière différente. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on a ici On a un magicien d'à côté, et puis on a une femme qui est en train de manipuler une espèce de, de gueule d'animal un peu étrange. On ne sait pas trop si c'est un chien, un loup. Sur certains tarots, ça peut ressembler à un ours. Donc, voilà, un truc un peu étrange. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir du coup comme dualité On va avoir d'un côté quelqu'un qui va faire preuve de dextérité, puisque c'est un magicien, donc il essaye de faire des choses un peu subtiles pour, pour faire de la magie. Et de l'autre côté, on a plutôt quelqu'un justement qui est un peu brut de pomme. On a quelqu'un qui se met pas trop en danger. De l'autre côté, quelqu'un qui se met vraiment en danger. Ici, quelqu'un qui a l'air de, de réaliser un, un, un petit miracle. Et là, on est vraiment dans, dans une épreuve quand même assez massive et qui a l'air de, de demander du muscle. Donc, ça, c'est déjà une première chose qu'on peut voir par exemple sur ce premier degré, sur ce premier niveau. On a la dextérité versus la force. Pour le deuxième degré, on va avoir ici la papesse qui s'oppose au pendu. Enfin, qui s'oppose ou qui complète. Hein. On a la 2 et la 12. Dans, dans un sens, on a la papesse qui est en train d'accumuler de, des choses, elle est en train de prendre des connaissances. Elle, elle révise, elle apprend, elle lit, euh, elle est dans un état où, voilà, elle se cultive. De l'autre côté, on a le pendu qui, lui, au contraire, a pas l'air vraiment de remplir, mais a plutôt l'air de vider, comme s'il laissait tomber les choses, comme s'il digérait, comme s'il était en train de se nettoyer. Ça, c'est quelque chose, par exemple, dont j'ai parlé là, dans, le, dans le dernier cours que j'ai donné... Euh ici à Bordeaux, où euh, voilà, on voit que cette carte-là peut avoir comme signification le fait d'expurger, le fait de laisser tomber les choses, le fait de se nettoyer. Euh, et donc là, on va avoir effectivement le côté euh, accumulation et de l'autre côté un peu euh, en, mode, en mode vidange, on va dire. Et dans un côté, on va avoir la solitude qui est choisie et de l'autre côté, la solitude, au contraire, qui a été un peu plus euh, subie. En degré 3, on va retrouver qui bah, On va retrouver forcément l'impératrice. Et puis, de l'autre côté, on va avoir l'arcane sans nom hein, que, dans les anciens tarots, on appelait la mort. Donc, euh, c'est pas si effrayant que ça. Enfin, bon. <laughs> Là, on va avoir deux choses qui sont extrêmement intéressantes. Ce sont le chiffre 3 est toujours orienté vers une dimension d'avenir et de conscience. Hein. Dans le premier, on est dans l'action. Hein, là, quand, quand on est ici dans, dans le 1, on est dans le faire, on est dans l'action, on est dans ce qui est à un instant T, au moment où il se passe quelque chose, on est en train de faire quelque chose. Là, ici, dans le, dans le domaine, dans, dans le chiffre 2, dans le degré 2, on n'est plus dans le présent comme dans le 1, mais on est dans cette notion du passé parce qu'on vit quelque chose et d'un coup, on est conscient de ce qu'il y avait avant et c'était mieux avant ou c'était moins bien avant. Avant, on connaissait moins de choses, maintenant on les sait. Avant, on était libre, maintenant on l'est plus. Et dans le degré 3, on est dans l'observation et en fait ça nous amène vers la dimension de l'avenir. On est en train de se projeter vers l'avenir. Et là par exemple dans la 3, on est en train d'envisager l'avenir comme quelque chose de dangereux euh, dont il faut se protéger. Donc le 3 va nous parler ici de protection alors que le 13 va nous parler davantage d'agression. C'est-à-dire que là c'est un petit peu la meilleure attaque c'est la défense et la meilleure défense c'est l'attaque. Dans cette vision de l'avenir, est-ce que je vais décider d'être plutôt sur la défensive euh, ou est-ce qu'au contraire je vais être dans l'agression Vous savez, c'est un peu la, la, la réponse euh, du système neurovégétatif, hein, du cerveau reptilien, pardon, système reptilien, euh, quand euh, on dit que face à une agression, on n'a que trois choix. Soit on est inhibé, soit on fuit, soit on agresse. Bon, ben là, on est un petit peu dans, dans, dans cette espèce de réponse reptilienne face à l'avenir qu'on ignore, on ne connaît pas, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et donc, c'est soit on se met sur la défensive, on se protège, soit au contraire, on fonce dans le tas. Dans le degré 4, on va avoir l'empereur qui va s'opposer slash complété avec tempérance alors l'empereur c'est assez rigolo parce que c'est un carré c'est un cube c'est quelque chose de solide on est censé arriver sur quelque chose normalement de, de très euh, matériel de très stable hein. quand on a le chiffre 4 on pense par exemple à une espèce de périmètre où il y aurait quatre côtés il y aurait quatre coins hein, donc on marque son périmètre on essaie de solidifier la chose ça c'est chez moi c'est pas chez toi donc l'empereur il va nous parler de tout ce qui va être solidifié et concrétisé, de choses qui vont être stratifiées, de choses qui vont être euh, dures, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Voilà, on est sur vraiment quelque chose de matériel. Pour les uraniens, pour les astrologues uraniens qui bossent avec moi, c'est en gros on a un peu l'archétype d'Admet, hein, c'est vraiment l'incarnation, la matérialisation. Là on a Tempérance qui elle ne fait absolument pas ça elle n'est pas du tout dans, dans, de la, dans de quelque chose de solide. Au contraire, son objectif, c'est d'assouplir les choses. Donc par exemple, si vous passez, si vous faites un tirage passé, présent, futur, et vous passez de ça à ça, on va dire, tiens, dans le passé, on était davantage... Euh, davantage dans, dans un cadre solide, concret, euh, il fallait que les choses soient stables, qu'elles soient sûres, et de l'autre côté, on, on perd notre, peut-être ce qui peut parfois être apparenté à de l'autorité ou de la psychorigidité, et on va faire preuve cette fois-ci de souplesse, on va faire preuve euh, de. on va essayer de rendre les choses fluides et malléables. C'est comme ça, et pas autrement, ça c'est pour lui, oui, c'est vrai que c'est comme ça, mais peut-être qu'on peut trouver un moyen de s'arranger, voilà, ça, ça sera pour Tempérance. Pour le degré 5, on va avoir le, le ciel hein, qui s'oppose à la terre, on va avoir les cieux qui vont s'opposer aux enfers, on va vraiment avoir le Très-Haut qui, qui s'oppose au Très-Bas. Et qu'est-ce qu'on a dans le Très-Haut On va avoir le côté spirituel, on va avoir le côté de la parole, de la transmission, on va avoir le, le côté du plaisir partagé avec, avec d'autres, alors qu'ici on va avoir la notion de, de rapport à la matière, au sexe, au plaisir de la pulsion. On n'est plus dans, dans, le, dans le besoin, on est vraiment dans l'envie, on est dans le fantasme. Euh, on n'est plus dans quelque chose qui est collectif, on est dans le, dans le plaisir de tant que pour moi c'est bon, ça va. Hein en gros, si je l'expose de manière par exemple sexuelle, parce que c'est encore le, le, le truc le plus... Euh, le plus facile à comprendre. Là, ici, euh, on est avec un compagnon qui, euh, pendant l'acte, va nous regarder est-ce que ça va euh, T'es bien comme ça T'as as pas mal tu, tu veux qu'on change de place tu... Qui va s'enquérir de l'autre Qui va attendre que l'autre ait son orgasme pour avoir le sien en même temps Parce que c'est quelque chose qui se partage. Là, lui, il arrive, tac, il fait son truc. C'était bon pour moi C'était pas bon pour toi Non, je, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de savoir. Tant que c'est bon pour lui, c'est bon pour lui. <laughs> Donc, on est vraiment sur, la no sur deux notions complètement différentes. Encore une fois, je précise qu'il n'y a absolument aucun jugement de valeur. Par exemple, on peut très bien tirer cette carte-là dans ce que je suis actuellement et qui me pose des problèmes, et ça, ce qui me permettrait de me faire du bien. À un moment donné, ici, on est très auto-centré, mais ça arrive que ben, ça soit nécessaire. Donc, a... ce n'est pas un jugement de valeur du tout. Hein. Je ne dis pas ça c'est bien et ça c'est pas bien. C'est vraiment deux dynamiques complètement différentes. Sur le 6, alors ça c'est rigolo le 6, hein, parce que le 6 c'est la rencontre entre le ciel et la terre, c'est toujours le, la terre et le ciel qui, euh, qui se touchent. Hein. Euh, c'est par exemple la toute première carte quand on, quand on arrive et qu'on regarde le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape. D'un coup on arrive dans l'amoureux, c'est la première fois où quelque chose apparaît qui est d'ordre céleste. Et qui n'était pas euh, de l'ordre de, de l'univers terrestre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le seul personnage qui voit l'ange à la base, c'est le pape. Hein Donc, c'est celui qui est spirituel qui voit ce truc-là. Donc là, on est vraiment sur l'idée de la rencontre entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est un peu comme si vous preniez un triangle et vous mettez un autre triangle. Dans l'autre sens, vous avez du coup deux triangles qui vont se toucher à un endroit, le point de rencontre. C'est à cet endroit-là qu'on va retrouver le 6, parce qu'on va avoir deux triangles, 3 et un deuxième, 3, 6, et c'est le point de rencontre entre les deux qui d'un coup va faire percuter quelque chose. Et là, qu'est-ce qui se passe Alors, le 6, c'est beaucoup en rapport évidemment avec la frénésie, les choses un peu électriques, voilà, c'est toujours très nerveux. Mais là, ce qu'on va avoir, c'est qu'on a d'un côté un peu la, la notion de cadeau et de l'autre côté la notion de punition. Là, ici, on va regrouper les choses, ici, on va avoir tendance à les, à les disperser. On voit que ici, les personnages vont ensemble, ici, au contraire, ils se splient. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours quelque chose qui est en haut, qui est céleste, ici, qu'on ne voit pas, parce que là, les personnages ne voient pas ce qui se trouve en haut. Ici, les personnages ne voient pas ce qui se trouve en haut. Les seuls qui voient ici quelque chose, c'est le pape hein, qui voit, et puis le cheval ici, qui va pouvoir apercevoir l'ange. Et d'ailleurs, il a, vous voyez, il a un petit œil fermé, à mon avis, il a dû se prendre un moment donné une flèche. Bon, euh, donc là, c'est toujours le même deal avec le 6. C'est toujours quelque chose extérieur à moi intervient et provoque cette situation qui peut être effectivement soit quelque chose de l'ordre du cadeau ou quelque chose de fédérateur, quelque chose qui va rassembler ou au contraire quelque chose qui va avoir plutôt tendance à faire splitter la fusion. Le 7, on va trouver le chariot avec l'étoile 7 et 17. De Très jolie carte qui, en règle générale, par la plupart des tarologues, euh, sont interprétées comme quelque chose de résolument positif parce que c'est de la chance, là c'est de la réussite matérielle, là c'est de la réussite spirituelle. Déjà, on voit tout de suite qu'il y a deux choses. Hein. Euh, là, on a le personnage qui est très en haut et la nature en bas. Ici, le personnage est en bas et la nature est davantage en haut. Euh, on a vraiment deux, deux dynamiques complètement différentes et c'est assez rigolo. On a toujours évidemment deux éléments, hein, donc ça, ça se retrouve, sauf qu'on en a un quand même ici. Qui est très dans, dans le faste, dans l'ornementation, dans la luxure, dans quelque chose de finalement un peu artificiel. Et c'est surtout de ça dont va nous parler le 7. C'est beaucoup les choses qui sont euh, qui sont artificielles, qui sont superficielles. Alors qu'ici, on va retrouver quelque chose de naturel. On va voir quelque chose de plus proche de la nature, de plus authentique. Il y en a un où on est capable de se mettre un masque. Hein, quand on voit ce personnage, on voit qu'il est effectivement en parade. Mais quand on mime le personnage, ce que, moi, je, fais, ce que je fais faire aux élèves en cours, on se rend compte qu'en fait il se sent pas du tout à sa place, il s'emmerde. C'est pas du tout son truc là on voit, il a cette espèce de tête complètement allumée, il attend qu'en fait ça passe. C'est vraiment écoute bon bah ferme les yeux et pense à l'Angleterre quoi. Et là au contraire, elle elle n'est pas du tout dans du faste et de la luxure, mais par contre elle est complètement à sa place et ça euh, ça, ça lui fait se sentir ben, vraiment naturel, je, je ne souhaiterais rien d'autre que ça. Je me fous des billets, je me fous de l'or, je me fous de la dorure. Tant que je suis à cet endroit-là, tout va bien. Donc encore une fois, hein, une même dynamique, mais sous, sous deux... Euh, enfin, une même thématique, mais sous deux dynamiques différentes. La 8 et la 18. Alors, 8 et 18, c'est quelque chose de très compliqué pour, euh, pour beaucoup de tarologues à comprendre, c'est parce que le chiffre 8 est quelque chose de très problématique. Euh, c'est un chiffre qui est... Pas toujours très apprécié malheureusement et dans beaucoup de dans beaucoup de cultures hein, euh, le 8 et pas est pas forcément quelque chose de très bon euh, et en fait le 8 c'est rigolo de voir ces deux cartes qui a priori n'ont pas l'air de vraiment aller ensemble en réalité elles vont parfaitement ensemble dans leur opposition d'un côté on a le personnage de la justice qui nous dit je suis droit je suis carré je suis intègre je fais les choses bien selon les règles et les lois ce qui fait que je ne serai pas préjudiciable on ne pourra pas me faire de critique, j'essaye de trouver la perfection j'essaye d'aller vers ce qui est vraiment bon selon les règles euh, édictées dans notre société. À l'inverse, de l'autre côté, on retrouve la Lune qui, elle, au contraire, ne fait pas les choses de manière officielle, mais les fait de manière officieuse. Elle ne fait pas selon les règles, elle fait selon ses règles. Elle ne se comporte pas selon des, des dictates euh, d'homo sapiens évolués. Hein elle ne se comporte pas comme un animal intelligent, mais comme une bête euh, pulsionnelle euh, et qui le fait vraiment euh, sous l'ordre de... Euh, oui, c'est vraiment dans, la, dans, dans, dans le cadre de la bestialité. Donc d'un côté, on aurait le, les choses droites, carrées, les règles, les lois, hein, les, les choses qui nous permettent d'être droit dans nos pompes, et de l'autre côté, ça va justement nous parler de nos petits travers, de nos pulsions, des choses qui explosent, où soudainement on fait preuve un peu de vise, de choses qui ne sont pas forcément très, euh, très droites. Euh, et qui effectivement peuvent être largement préjudiciables. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette carte-là, on va beaucoup retrouver l'adultère, le trafic de drogue, même la consommation de drogue en fait, de manière générale, la violence, les agressions, etc. On peut retrouver ça dans cette carte-là, parce que c'est celle qui va justement faire majoritairement fi du cadre des règles. Après, encore une fois, ça n'est pas un jugement de valeur. Parfois, celle-ci, on peut la sortir en disant... Écoute là, en fait, agis sans réfléchir, va à l'instinct. Qu'est-ce que tu sens spontanément Je sens qu'il faut faire ça. Ok, ne réfléchis pas, va plus loin. Oui, mais peut-être que c'est pas bon, peut-être que je vais faire mal et peut-être que ça va blesser quelqu'un. On s'en fout. Là, il faut y aller spontanément. Et à l'inverse, celle-ci peut apparaître justement comme quelque chose de pas bon. Quel est mon défaut En fait, tu penses trop, tu penses trop, tu fais tout dans les règles, tu veux bien faire, tu veux absolument pas déborder. Mais à un moment donné, quand on veut s'en sortir, peut-être qu'il faut faire preuve d'un peu de vice justement pour pouvoir obtenir un résultat qu'on n'aurait pas eu autrement le degré 9, degré 9 est facile à voir hein, ça franchement, prenez 3 secondes pour regarder, mettez la vidéo en pause, on voit très bien hein, la, la différence entre les deux. Là, on a d'un côté un ermite qui est quand même seul et qui regarde les choses de loin, il observe les choses de loin, il n'ose pas s'y mêler, il ne veut pas aller euh, il, il ne veut pas en fait s'aventurer quelque part parce que tous les quelque part sont des autres parts. Pour lui, il n'est jamais chez lui. Quel que soit l'endroit où il se trouve, il c'est jamais, jamais sa maison. Euh, sa seule maison c'est dans la solitude. Et quand il regarde les autres, il essaye de les regarder pour les comprendre. Il fait une expérience qui est très mentale. Là ici, au contraire, on n'est pas du tout dans le rejet de l'autre. On est au contraire dans la curiosité. Je veux aller voir, je veux goûter, je veux essayer. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est cool ou pas Tiens, moi je suis sur le petit rocher, toi t'es dans l'eau. Qu'est-ce que ça fait d'être dans l'eau Et puis l'autre se dit, bah tiens, moi je monterai bien sur le rocher pour voir si la vue est sympa. Donc on a plutôt l'idée de faire l'expérience de... Sans même le penser, on n'y réfléchit pas. Là, on est dans l'idée d'y aller avec précaution parce qu'il faut comprendre avant d'y aller. Là, ici, on y va et on comprendra après coup. Donc, on est vraiment dans une notion de solitude versus accompagnement. On a le degré 10 avec la roue de fortune et le jugement. Alors, celui-ci, c'est peut-être encore le peut-être le, le plus subtil à saisir. Il faut rentrer en fait davantage dans le, le, le symbole de, des cartes pour comprendre en fait ça. Dans la route fortune, tout est cyclique, mais tout cycle a une fin. À un moment donné, les choses s'arrêtent. On grandit, on vit, on meurt, on ascende, on culmine, on chute. On marche à quatre pattes, à deux pieds, à trois pieds. Hein. C'est la fameuse énigme du sphinx. Donc à un moment donné, les choses vont prendre fin. Il y a quelque chose qui se termine. Avec l'A10, c'est la fin de cycle. Vous savez, par exemple, on a neuf mois de grossesse. En réalité, c'est n'est pas vraiment neuf mois de grossesse. C'est neuf mois de grossesse solaire, mais c'est dix mois de grossesse lunaire. Et quand on arrive au dixième mois, en fait, c'est la fin. On est en train de terminer. D'accord, il y a peut-être autre chose derrière parce qu'on va venir au monde. Au même titre que quand on a fini notre vie, peut-être qu'il y a une autre vie dans l'autre monde. On n'en sait rien, on ne sait pas. Comme le bébé qui ne sait pas qu'il a une autre vie après cette vie-là. Là, dans le jugement, est pas, on n'est pas dans une fin prochaine, on est dans un renouveau inattendu. C'est-à-dire que là où les choses vont s'achever, ici les choses vont au contraire commencer. On est toujours dans une notion de cycle. Là c'est vraiment on termine, on est en train d'achever la chose. Ici on va recommencer la chose. Il y a quelque chose qui revient puisqu'ici c'est la résurrection des morts. Donc on a vraiment cette notion de cycle ici qui est la fin attendue et ici... Le recommencement inattendu. C'est pour ça qu'ils arrivent d'ailleurs en fin de cycle et qu'après on reboucle. Hein. Quand on est arrivé à la 10, tac, on passe à la 11. On a quand même un dernier degré qui n'est pas vraiment, vraiment un degré parce que c'est la dernière carte avec celle-ci qui n'est pas numérotée. Mais on peut quand même les voir ensemble. Et moi j'aime bien voir particulièrement le mât, parce que vous savez que j'ai une affection particulière pour le mât, C'est pour ça que quand je fais un tirage de la constellation tarologique, celle où on utilise les 22 arcanes majeures, c'est elle qui va représenter le pion sur le jeu, euh, sur le plateau de jeu sur lequel on se trouve. Euh, c'est vraiment l'itinérant. Mais elle aussi est en rapport avec l'itinérance. Les deux vont être en rapport avec le, le voyage dans le monde, le fait de se déplacer, le fait d'aller découvrir, le fait d'aller faire l'expérience, le fait d'aller voir d'autres personnes. Sauf que d'un côté, on fait ça en gros en petite expérience, par petits pas, par nos propres moyens. Ici, au contraire, on est plutôt dans une grande mécanique, accompagnée par plein de gens. Ici, on veut savourer, par exemple, les petits villages locaux. On veut aller goûter euh, les plats du coin. Ici, on se dit super. Alors, la semaine prochaine, je serai à Tokyo, la semaine d'après, à Berlin et ensuite à Milan. On n'est pas du tout dans, dans une, une question de savourer la, la qualité du peu. On est vraiment dans une espèce de, de grand faste de beaucoup. On fait beaucoup de choses, on fait les choses en grand. Ici, on le fait par nos petits propres moyens, on se débrouille par nous-mêmes avec une espèce de modestie. Je le ferai si j'y arrive, si j'y arrive, si arrive c'est bien, si j'y arrive pas, c'est bien. Là, ici, au contraire, on se dit non, non, attends, il faut que toute la machine soit huilée, il faut que ça fonctionne. Euh, donc, tout va être organisé. Euh, j'ai connu quelqu'un qui était comme ça quand on partait en voyage, il faisait des feuilles Excel et on avait tout qui était réglé du début à la fin. Il n'y avait pas un truc qui, dé... qui, qui dégageait, qui était sur le côté. Moi, j'ai été plutôt à partir en mode bohémien avec le sac à dos, puis on verra où on va atterrir. Donc c'est encore une fois deux, deux dimensions un petit peu différentes. Voilà, c'était juste une petite vidéo de découverte hein, des, des différents degrés, des arcanes majeurs. N'hésitez pas à vous amuser à trouver peut-être d'autres euh, degrés, parce qu'on peut, on peut très bien le faire sous, sous, sous d'autres manières. Par exemple, là, on a fait avec les chiffres, par exemple, la, la, la 8 avec la 18. Ok, très bien. Mais on aurait très bien pu, par exemple, dire que la 18 fonctionnait avec la 9, parce que 8 et 1, 9... Donc qu'est-ce qu'on peut trouver par exemple les deux ensemble Et puis après, bon, ben voilà, je, je vais avancer ou je vais reculer dans les degrés. Euh, je vais mettre la 17 euh, avec la 8, je vais mettre la 16 avec euh, la 7, etc. Puis on va voir un petit peu comment les choses s'articulent. Donc amusez-vous à faire ça et vous allez voir qu'on n'a pas forcément besoin de passer beaucoup de temps dans les bouquins pour déjà découvrir des choses de base. Les bouquins c'est bien mais c'est peut-être dans un second temps. Donc déjà amusez-vous comme ça à faire des tirages et puis à voir ce qui unit ou ce qui sépare les cartes et il euh, y a des sens naturellement qui vont qui vont popper à vous. Voilà, je vous fais des gros bisous, euh, je vous retrouve très vite. En tout cas, j'espère que je vais <laughs> trouver le temps de faire des vidéos très prochainement. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve rapidement et en attendant, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut.